Dimanche matin, jour 3 de Mérignac, 5e round, et je suis aujourd'hui avec Victor Château. Merci Victor Château d'être là. Matinale. C'est hyper cool. Déjà, bravo pour hier, au top 16, super cool. Vous êtes sortis tous les deux au top 16. Yes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la journée tous les deux? C'était top. On est à la maison, il fait hyper beau. Ouais. On s'est fait sortir par les meilleurs, donc on a pris une méga leçon. Ouais. Voilà, c'est trop bien. Bon, après, on fait le maximum, je pense. On a des potes qui font des trucs de fou sur la caisse. Bah, en tout cas, là, au bout d'un moment. Tu tombes sur plus fort que toi. Voilà, beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Bah, ce qui est impressionnant, c'est que la caisse passe super bien, vraiment bien. Ouais. Je trouve que ça roule bien, c'est fiable. Est-ce que les modifs que vous avez fait à l'intersaison, ça vous a totalement changé la donne? Ouais. Ça a doublé la puissance, on a quasiment refait un châssis. Ouais. Maintenant, il faut que on s'y adapte. Ouais, mais en fait, on l'exploite pas. Ouais, ouais. On l'exploite pas bien et je pense qu'aussi on la règle pas bien. Parce qu'on sait pas exactement ce qu'il faut faire. Alors on teste des trucs quoi. On tente un truc, ça va bien, on tente autre chose, ça va bien. Maintenant, faut qu'on trouve ce qui va le mieux quoi. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a du potentiel dans cette voiture et que vous pouvez y aller plus loin? Donc c'est une année de rodage en fait pour l'équipe? Non, normalement c'est pas une année de rodage. Normalement c'est une année de feu quoi, mais on fait quand même, on fait des points, on fait des qualifs, on fait des battles, donc on peut pas tout gagner tout de suite, tu vois. L'année dernière, Thomas, il a été ouf avec Il a été révélation de l'année. Ouais, mais il avait une caisse qui... Il n'est pas arrivé de nulle part, il avait une caisse qu'il connaissait quasiment parfaitement, qu'il avait déjà roulé beaucoup, donc c'était pas le hasard, c'était pas de la chance. C'est un mec qui roule hyper bien n'importe quoi, et là il roulait une caisse qu'il connaissait. Donc. Et d'ailleurs la particularité de cette caisse, c'est qu'il se la partage en fait, et c'est les seuls à faire ça sur toute la saison, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je pense. Enfin nous on s'est engagé entre nous. D'accord. À partager la voiture jusqu'à ce que Thomas ait une voiture. Alors, entre vous, c'est vraiment une bromance. D'où vient cette histoire de partage de voiture, etc.? Ça vient d'ici, là. On était, un jour, je suis arrivé ici. Je revenais d'une manche de loisir. De ouf, d'ailleurs. Et le gars était à côté de moi dans le paddock. Lui, il m'avait dit qu'il m'avait déjà vu, en gros, à Tours, sur des manches comme ça, des trucs, des petits événements, enfin, des manches de loisir, qu'il m'avait vu rouler ici. Mais moi je suis un peu dans le fond. D'accord. Moi j'arrive quelque part et je vois pas trop, tu vois, je fais mon truc mais je capte pas trop les gens, tu vois. Et lui m'avait dit, ah j'ai vu que tu roulais, machin, je trouve que tu roules trop bien, là, ta caisse je la kiffe et tout. Alors qu'on fait une saucisse, tu vois, enfin, c'était un 325 qui casse d'origine. Et donc j'étais là, ah, ouais et tout, ouais, c'est bizarre et tout. Ouais, j'étais là, ok, tu vois, je voyais qu'il était bon délire quand même. Puis il était amenant, tu vois, derrière moi et tout, il était franc et c'était naturel, tu vois, enfin, c'était un bon délire. Et je dis bah écoute, vas-y je vais rouler, viens quoi, on va rouler ensemble parce que j'ai personne là. Et il avait une espèce de... Moi j'avais une poubelle, lui il avait vraiment une poubelle. Il avait une E30 avec un 2,5 D'accord. Voir un truc, moi il m'a amené chez moi une fois, je suis allé faire un tour. Je voulais aller me balader un peu, je te jure, j'ai fait le tour de mon quartier, je suis rentré, j'ai dit oh, laisse tomber, pose là, tu vas tuer quelqu'un. Franchement, sa caisse, c'est un danger. Non. Mais bref, lui, ça lui va. Donc, on roule, on fait un tour, on fait un deuxième tour, un peu de chauffe. Et je voyais que deuxième tour, il attaquait, il se mettait partout. J'étais là, oh, qu'est-ce qu'il fait lui et tout, il va me rentrer dedans, c'est sûr. Je me dis, bon, je me mets au max, tant pis, on verra tout. Je jette la caisse, on sort de la parabolique, machin. Et c'est pas compliqué, on sort DS, je le vois dans ma plante, dans mon aile. Et en fait, à ce niveau-là, enfin à ce moment-là de mon roulage, on m'avait jamais fait ça. Genre, ouais, j'avais jamais fait de tandem ou quoi, vraiment intéressant. Je fais, voilà, le mec, il est chaud quand même. Ouais, il est chaud. Je tâte un peu, je vois qu'il me reste un peu de com. Je me mets un peu plus au max, je relance tout ce que j'ai. Et là, je vois que dans le déclenchement, il est déjà là, machin. Enfin, il me met la misère de l'espace, tu vois. J'étais là, ouais, d'accord. Bon, lui, il est sévère, tu vois. On rentre, je rentre sur mon quatrième ou cinquième tour, on se pose au paddock. Je vais le voir et tout. Je dis, mais tu fais quoi en fait? C'est quoi le délire avec ta caisse? Et puis il m'explique un peu. Et c'est toujours avec sa E30 qui est. Ouais, avec sa E30. Ah la vache, ok. Je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vu rouler ici avec ça. Et après, en gros, ça m'est venu que. Je lui ai dit, bah écoute.
il parle un peu de ma caisse, il me dit putain mais elle travaille bien, elle roule bien, machin. Je dis bah écoute, vas-y si tu veux, tu la prends, tu montes à côté, tu vois, on... tu me montres un peu. Quoi. Et on a fait deux tours, bah mec, on faisait pas le même score. Hein. Ouais, bah ouais. Ah, c'était un délire. Hein. Donc est-ce que tu peux dire que Thomas Fouillade pour toi est un peu un surdoué ou c'est à force du travail et de l'acharnement? Ouais, moi, ou il a moi quand je parle, quand je dis à mes potes ou quoi, je dis ce mec c'est Néo, tu sais. Ah d'accord, genre, ouais. Tu vois, genre, il y a un moment donné, ça va prendre un peu de temps, mais genre, c'est l'élu, tu sais. C'est le mec, à un moment donné, il va bouffer tout le monde. Bah, je sais pas trop quand, mais... De toute façon, je dis fait une année de transition parce que, bon, d'un point de vue public et passionné, bah, c'est vrai que Thomas Fouillade est un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, ouais. Il y a eu deux top 4, il y a eu des très bonnes qualifs, etc. Même pour toi, tu es dans ta progression par rapport déjà à l'année dernière, parce que l'année dernière, tu n'étais pas là, si c'est pas négatif. Ouais, c'est voilà. Ça, j'ai fait demain. Donc, quoi qu'il arrive, que ça soit toi ou Thomas Fouillade, on est très bien. Et donc, normalement, d'ici, même si peut-être à Nogaro, ça sera peut-être mieux. Et en fait, vous allez crescendo, je pense. Mais on peut pas, en fait, Thomas, il peut pas déjà se lâcher comme il était l'année dernière. D'accord. Et déjà, là, on est deux sur la pièce. Ouais, bah ouais. Et on sait, tu vois, donc. Déjà, il prend moins de risques, ça c'est sûr. Et moi, bah, moi honnêtement, je roule comme si j'étais tout seul à rouler sur la caisse. Tu vois. Mais je sais très bien que lui, il a trop d'appréhension à casser la voiture. À, tu vois. En fait, je sais qu'il est un peu en dessous de ce qu'il voudrait faire. Déjà parce qu'il sait que quand il rentre, je prends la bagnole et je vais rouler. Tu vois. Ouais. Mais moi, tu vois, ce dont je suis persuadé, c'est que Thomas, quand il aura sa caisse, il l'aura. Les réglages comme il veut, les machins, tu vois, il n'aura pas de contre à me rendre. Et là, ça va tout changer. À ce moment-là, je pense que il prendra une place très haute sur le championnat et je pense qu'il fera autre chose après. Moi, ce qui m'intéresse aussi chez toi, ce qui est un peu important, c'est que déjà, tu viens pas de seconde de base en tant que métier. Ouais. Tu fais aussi du sport à côté, des préparateurs physiques. Ouais, c'est ça. Enfin, je fais de la prépa pour du crossfit, mais les personnes âgées aussi. Est-ce que tu trouves des similitudes entre les deux sports? Ouais. Au niveau de la préparation mentale, peut-être? Non, c'est juste au niveau du milieu et du développement, c'est archi marginal dans les deux cas. D'accord. Et j'avoue que c'est le hasard, mais. Mais crossfit, tu vois, un peu haltérophilie et tout, c'est des sports qui sont un peu mis de côté, qui sont un peu marginaux dans le délire. Mais en fait, je sais pas pourquoi, tu vois, mais moi, je me sens au mieux dans les deux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu vois, le crossfit, ça explose un peu, ça a déjà explosé aux États-Unis, ça a explosé en Australie déjà, un peu en Europe. Et le drift, c'est un peu ça aussi, tu vois. Sauf que le drift, c'est encore un peu. On est encore un peu pas underground, tu vois, mais on est encore un peu mal vu dans le sport automobile, tu vois. Après, ça s'explique, hein. Il y a pas. Il y a des comportements qui sont pas terribles, tu vois. C'est un peu comme le track, tu vois, le run. Les mecs, à partir du moment où ils font ça dans la rue, ben, c'est pas terrible, tu vois, pour l'image. C'est un peu comme le rap à l'époque, tu vois. Ouais, en France, ouais, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est comparable. Ben ouais. Mais on est un peu. C'est street, genre, tu vois. Ouais, dans ces streets, il faut faire un peu de rien. Ils mettent un gros truc, un gros cachet, une grosse image et tout. Ouais, ouais. Mais oui, mon taf, c'est coaching. Je suis athlète aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué que dans le drift. Parce que les niveaux au niveau crossfit et athlète, c'est vraiment un délire. Ouais. Si t'es pas fait pour ça. T'as fait de la compétition crossfit aussi. Ouais. Tu m'avais dit un peu. Alors, est-ce que tu peux avoir tes petits tops ou tes petits trucs avant d'aller rouler, avant de faire des essais, tes qualifs, être vraiment une routine un peu comme chaque. En général, j'essaie de me calmer déjà parce que je te dis, je suis assez stressé quand je prends le volant. Ouais. Il n'y a que quand je pars, tu vois, je mets première, seconde, je lâche tout et là j'oublie tout. Mais il y a des trucs, ouais, tu sais, des événements un peu dans ta vie, tu vois, qui t'ont niqué à un moment donné, tu vois, et qui t'ont entre guillemets rendu plus fort et tout, tu vois, auquel tu penses. Et là, en général, tu relativises, tu dis, ok, bon, il fait beau, j'ai ma caisse, il y a des gars qui sont là pour moi et tout, donc on fait pas le con, tu vois, on kiffe et on roule. C'est, j'ai des petits gris-gris dans la voiture, tu vois. Ouais, quand même, ouais. Ouais, des petits trucs. Et puis, je pense un peu, tu vois, à la famille, des amis un peu proches, ceux qui m'aident vraiment, tu vois. C'est tout. Donc, ensuite, c'est différent, tu comptes plus sur toi-même. Ouais. T'as les jambes un peu qui tremblent, tu vois, t'es un peu dans la merde, tu vois. tu vois, et quand tu lances le timer, il te lance dans l'event. Là, c'est bon, ça part aussi, tu vois. Je dis tout et ça part, mais c'est vrai que.
vois, quand tu peux, le matin, je dors mal, tu vois. Mais c'est la compète, hein. Tous les compétiteurs, ils sont un peu comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer pour aujourd'hui et pour le championnat? Aujourd'hui, pour toi, dans les futures années? Aujourd'hui, pas de casse. Ouais. C'est toujours ça, c'est le focus, faut pas casser. Sinon, ils iraient pas, mais bon, les gars, ils sont pas là pour ça. Pas de casse, une belle qualif. Déjà, une qualif, ça fait des points. Et j'aimerais bien faire une belle battle en top 32, genre faire une grosse battle en speeder, que le mec peut mettre le feu au cul dans le speeder, que les gens ils crient. Celle de Calmont par exemple. Ah ouais, de fou, Béroté, c'est mon kiff. Ah, mais c'était incroyable. Hein. Béroté, même sur le live, je crois qu'il a été déclaré un des meilleurs battles de l'année. Parce que... Non. Je parle pas, mais je pour le One More Time après. Moi, c'est mon meilleur battle de ma vie, ça c'est sûr. Mais ouais, voilà, en fait, je vais pouvoir voir la redis, voir des lives, des vidéos et dire « Ah ouais, c'était fou, égo ouais, !» Tu vois, que le public, il pète un câble, tu vois, c'est ça, qu'au pire, il vient me taper la porte, le pare-choc, tout ce que tu veux. Mais que, ouais, des gros runs, quoi. Ouais, ok. Des gros runs et que Thomas, il aille faire le top 4, la finale, et voilà. Ah, cette voiture, elle peut le faire. Après, il faut qu'on apprenne à la gérer. Ouais, bien sûr. Bon, bah merci Victor, merci à toi. Un dernier truc en tout cas, il y a des gars qui ont bossé sur la caisse là, ils ont fait des folies. Hein. Franchement. Est-ce que vous voulez remercier peut-être? Ah ouais, Jérémy Couvreur là, il nous a offert une grosse partie de sa prépa, de tout son savoir, de son truc. Donc Jérémy Couvreur, c'est Jacob Sport. Oui, bien sûr. C'est un délire. Encore une fois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, t'en as déjà fait, ouais. J'en ai fait pas mal. Mais ouais, ce mec. Avec son associé et puis les gars qui bossent avec eux, c'est moi franchement ils m'ont rendu dingue. Ils sont vraiment vraiment cool. Hein. C'est vraiment le délire que je pensais pas trouver dans le drift, tu vois l'esprit et tout. Et ils nous ont jamais lâché, tu vois. Ouais, on leur doit, enfin on a payé même pas la moitié de la prépa. Il nous arrange tout le temps, il faut des trucs de fou, il sait exactement ce qui va, ce qui va pas, ce qu'on fait, ce qu'on doit pas faire, etc. Ça déboîte. Après, vous le rendez bien, vous aussi. Je parle ce qui se passe aujourd'hui pour PFR, on verra plus tard sur le live, mais. Vous prêtez vos voitures, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu l'esprit drift en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une merde, l'autre se déplace quand même. En fait, franchement, je pense que l'esprit drift, c'est pas compliqué. On veut voir les gens rouler, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est-à-dire que nous, on vient pour rouler, on veut que les autres puissent rouler aussi, tu vois. Mmh. Et moi, ça, c'est à 200%. En fait, moi, j'ai été loup. Je suis spectateur et je suis acteur, tu vois. Donc, je veux aussi kiffer en tant spectateur. Là, je veux voir ma deuxième caisse. Rouler une caisse de street, un genre de street drift légal que j'essaie de pas trop rouler sur lui. Là, je la prête à Jordan, mais c'est un délire ça peut-être. Je vois, t'imagines, je vois ma caisse là de championnat qu'on va essorer en battle et ma caisse de training qui va passer en loisir, ça déboîte. Bon, bah c'est trop. Bon, bah merci Victor en tout cas. De rien, mec, avec plaisir.